Alors, la Cripplegate. J'y trouverai peut-être un responsable digne de ce nom. Un peu de patience, tous. Nous allons arranger ça en un rien de temps. Gardez votre calme, hein? Voilà, Trésor. Bien bon, Maître Ham. Tu reprendras bientôt ta route. Je vois que tu as le talent d'un berger. Ce travail y ressemble parfois. Est-ce que je peux être utile? Qui dirige ce bourg? Si cela est possible, j'aimerais lui parler. Le gouverneur Trigre. Un Danois bon et juste, ici depuis 4 ans. Trigre? Le plus clair de la journée, on le trouve à la vieille villa, à s'occuper de diverses friponneries. Avgos veut sa part de la récolte estivale. Sale bouseux. Alors, pourquoi ça traîne? Nous discutions là. Allons! Les paysans de Mercy ont déjà payé leur dû. Si Avgos en veut davantage, qu'il dépose une requête. Une requête? Eh bien, tu peux dire à ce marchand de crottin. Que s'il veut sa pomme, qu'il vienne la chercher. C'est la propriété de Maître Ham. Viens chercher. C'est répugnant. Viens chercher. Par le ciel, tu te bats comme si le diable avait volé ton pain. Tu t'y entends aussi pour cogner. Roald, sois un bon petit élève et relève le nom de ceux qui paient l'impôt sur les vivres, veux-tu? Très bien. Tu as des affaires en cours avec le gouverneur Trigre, c'est ça? Je viens voir quiconque a envie de tisser des liens avec mon clan du Grand Corbeau. Et si c'est toi, tant mieux. Ah, non. Trigre t'intéresse. Moi, je suis le magistrat de la moitié ouest de l'Outen. Je m'occupe de maintenir l'ordre. Comment peut-on être magistrat de la moitié de quelque chose? C'est comme ça, et puis c'est tout. Je m'appelle Stowe. Stowe de l'Outen. Un nom robuste pour un homme robuste. Et j'aime les gens qui savent taper sur leur prochain. Pour marcher la tête haute à l'Outen, il faut savoir jouer des points. La flatterie n'est pas dans mes habitudes. Eh bien... ta franchise me va droit au cœur.
Allons voir ton gouverneur, Stowe. J'ai envie de le rencontrer. Entendu. Le poste est tenu, le troupeau gardé. En route pour aller voir Trigre. Et comment dois-je t'appeler ? Cogneuse de brigands ? Marteau danois ? Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Nous nous sommes installés au nord d'ici, près du fleuve Nene. Eh bien, j'ai une dette envers toi, Eivor. Tu es une alliée de choix. Alors voici Lunden, une ville bâtie par des géants. À ce qu'on dit, c'est une vieille cité, hargneuse à souhait. Mais elle a un côté mystérieux que j'adore. Ceci dit, j'ai grandi ici. J'ai appris les écrits des apôtres du Christ à Lundenwich, le bourg saxon, au-delà des murs ouest. Tu n'es pas prêtre, n'est-ce pas ? Non, mais j'ai été élevé chez eux. Et pour un bâtard sans fortune, je m'en sors assez bien. Un bâtard sans fortune devenu un magistrat téméraire de Lunden ? Ma foi, c'est Trigre qui a vu quelque chose en moi. Il se moque complètement de ma condition. Ses deux bras, le gauche et le droit, sont Erk, un soldat danois et moi. Erk a fait partie de la dernière horde de vikings à s'être installée à Lunden pour une saison. Cela remonte maintenant à 2 ou 3 ans. C'est par Trigre que j'ai connu Erk. Et maintenant, en tant que magistrat, nous parcourons la ville comme des pères veillant sur leurs enfants. Un homme du cru et un danois. Comme tu vois, Lunden est une ville peu commune. Attends. Quelque chose ne va pas. Un combat. Et ce sang est tout frais. Non. Pas ces hommes. Que s'est-il passé ? Mon Dieu, non ! Non ! Il a fallu 3 flèches pour le tuer. Les 2 autres sont des insultes. Ô Seigneur, conduis ces hommes là où la lumière de ta face les visitera et les inondera. Nous n'avons pas besoin d'étrangers, Stowe. C'est une affaire privée. Nulle raison de se méfier. Eivor m'a prêté main forte lors d'un combat à la Cripple Gate, des gredins de la garnison. Tu dois être une tueuse pour tenir tête à de tels pourceaux. Il est temps de les soumettre, Stowe. Cela ne peut plus continuer comme... ça. S'il avait encore sa tête, celui-ci s'appellerait Trigre, votre gouverneur. Dieu du ciel, cet homme est mort. Un peu de respect. On va bien s'entendre, toi et moi. Tu dois être Erk, le second magistrat de Lunden. Erk Bodilson, oui, c'est moi. Tu dis que ce chien galeux m'a traité de second magistrat ? Premier du bourg de l'Est. Un homme à qui je confierai ma vie. Stowe n'a jamais été doué pour juger les gens. Erk, voici Eivor. Elle était venue rencontrer Trigre, afin de nouer des liens d'amitié avec son clan. Il t'aurait accueilli de... C'est italien. Comment tu vas ? C'était un homme confiant. Regarde où ça l'a mené. Tu as trouvé quelque chose ? Je viens d'arriver. Mais les tueurs ont laissé... une lettre sur le cadavre. Je vais jeter un coup d'œil. Trigre était constamment entouré d'hommes. Comment les tueurs ont-ils pu passer ? Cette lettre... quelqu'un tenait à ce qu'on la voie. De Rome est venu un ordre d'hérétiques, vénérant les reliques d'un âge antérieur au Christ. Erk, c'est la lettre dont il nous a parlé. Il disait qu'elle contenait des nouvelles effroyables à propos de Lunden. Elle mentionne 3 de ces païens qui se sont faufilés dans Lunden. Oh bah y'a pas de problème, t'inquiète, je m'en suis douté, hein. Je me suis douté, hein. T'inquiète pas. Seigneur Jésus-Christ, cela pourrait être n'importe qui. Il dirigeait cette ville. Mon Dieu. Qui a-t-il ? Message salace d'une maîtresse. Non. De plusieurs. Dans le bureau de Trigre. Bah oui, ça va, tranquille. Tranquillou. Quelle intimité. Là, je suis tout seul jusqu'à 17h. Il ne voulait pas que tu le saches. Mais ma femme et mes enfants, elles sont partis à un anniversaire. En famille. Enfin, en famille. Ma belle famille. Voilà. Thank you.
rien du tout à cette histoire. Ça me dépasse. Regarde-nous, assis sur nos lauriers, pendant que Eivor fait tout le travail. Mais c'était nul, je voulais te faire un coucou, mais j'avais pas mes écouteurs. Y'a pas de problème. Pas de problème, t'inquiète. Je crois que tu t'achètes ces... les écouteurs, tu sais... Si t'as les cheveux longs... Tu sais les petits écouteurs qu'on voit pas? Et tu peux entendre les gens à l'extérieur. tu mets ces écouteurs-là, c'est bon, hein. Si on te parle, tu fais « Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» c'est l'anniversaire de ma... En fait, c'est une sorte de... C'est pas un anniversaire... Enfin, c'est un anniversaire, mais... c'est parce qu'elle a une maison, c'est pour... Enfin, elle loue une maison, une belle maison, et... Pour ça, c'était pour fêter ça, en fait. Ouais, bah ouais, tu prends les écouteurs. Moi j'en ai. Et ma femme aussi. Ça doit être resté. Dans ma cuisine, tu penses. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? 3 jeux d'empreintes de. De moyen et un très grand. Il y aura un petit peu de monde. Enfin, normalement, faut quand tu vas chez quelqu'un, enfin quand tu vas chez du monde, t'es limité normalement à l'origine. Hein. Normalement, c'est 6 personnes. Normalement. Et là, ça, là, il dépasse un petit peu les. Là, il dépasse un petit peu, je trouve, un petit peu. Normalement, c'était prévu. Il y avait ma belle-mère et mes beaux-parents, quoi. Du côté de ma femme et mes filles, ma femme et ma belle-sœur. Et là, du coup, il y a encore deux, trois personnes qui viennent aujourd'hui. Je me suis dit, non, moi, ça va aller. Hein. Non, ça ira. Bien à la maison. Des outils de barbier, tranchants et précis, pour faciliter le travail. Sûrement ce qui a servi à détacher la tête de... D'ailleurs, j'adore Sea of Thief, mon kiff, c'est de contrôler le bateau. Mais le Kraken est méchant. Ouais, bah, carrément. Il pique, hein. Il fait mal, hein. Ouais. Il fait un petit peu mal. Du coup, lui, là... Ah, ça, je l'ai fait, ça. Regardez dedans. C'est passé ou pas? Non, je vais le faire. Ah non, c'est des ciseaux, je sais pas quoi. Ah non, c'est le bas. Non, et puis hier, je suis sorti, j'ai fait quelques courses. J'ai été acheter le nouveau portable à ma femme, parce que comme le forfait se finissait, ça faisait les deux ans, là. Donc elle a un nouveau portable, puis on a eu des cadeaux avec. Enfin, des cadeaux, façon de parler. Hein, les casques sans fil que je te parlais tout à l'heure, là, les nouveaux, et je me suis pris une montre. C'est surtout qu'on n'a pas le même... qu'on n'a pas le temps de réparer. Oui. Bah, c'est surtout quand t'es tout seul, quoi, en fait. Quand t'es tout seul, c'est embêtant, parce que pendant ce temps-là, tu peux conduire, et ton pote, il fait des allers-retours, tu vois. Tac, tac, je répare, tac, pap, pap, il répare, tac, tac. Quand t'es tout seul, faut que t'arrives à gérer la... tout, en fait. j'espère que ton numéro... C'est quoi qu'on en est, là. J'ai pris la montre. Attends, je vais chercher le bon. Parce que j'ai pas le nom comme ça de la montre. Attends, je reviens.
C'est la montre Galaxy Watch. Voilà. Normalement, il y a la 2. Il y a la version 2, mais j'ai pris la version 1, qui est là. Elle est là. Et non, il y a pas de problème. Et il y a la version 2, Galaxy Watch 2, mais je sais pas, je préférais la matière, j'aimais bien la matière de la montre. Et puis c'est cool, je peux recevoir des appels dessus. je peux appeler des gens, je peux appeler des gens et j'entends leur voix dans ma montre. Et je peux leur répondre. Si j'ai mes oreillettes, et ben, je peux leur parler en même temps en fait. Si je reçois un appel, ben j'ai juste à décrocher et je peux même appeler. Je peux appeler les gens avec ma montre. Mais elle est pas en wifi. Elle est en Bluetooth. Faut que j'ai mon portable qui est pas loin en fait. Si tu prends un wifi, faut que tu payes un truc. La version Galaxy Watch 2, elle fait wifi en fait. Elle fait pas wifi mais 4G en fait. Et c'est là qu'il faut payer en plus. Enfin, tu payes 5€ le mois, je crois, un truc comme ça. Il est où l'autre? Il y a un autre truc, il est où? À part là. Hein. Bah, il y a la clé. Ah, le spécial. Okay. Je sais pas s'il faut que je la prenne maintenant. Mais c'est trop bien, ça fait un peu K2000. C'est ça, ouais. Oui, c'est un peu quasi. C'est K2000. C'est ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut changer le fond d'écran quand on veut, de la montre en fait. Si on n'aime pas, si on veut plus, si on veut changer, bah là j'ai mis à moitié une montre. Avec des bulles dessus, dedans, t'as moitié dans de l'eau, tu vois. Et tu peux changer ton truc quand tu veux, en fait. La vision dans ce jeu est magnifique. Ouais. Clairement. C'est juste de savoir où faudrait que j'aille, en fait, là. Peut-être en haut. J'ai lu. Bord d'un navire où traînait Ivar comme un nœud coulant autour. Il y aura toujours un trône pour toi ici. Voilà. C'est quoi qu'il donne? Il donne un. Il faut que j'essaie. Attends, qu'est-ce que. La ville. Ici, il y a eu dans la ville. Hein. Je cherche, hein. Je suis en train de chercher là. Je sais dans cette zone là. Ça peut pas être autre part. Si, si. Et c'est quelque part par là. Faut que j'arrive à trouver où. Ça peut être tout bête. Ça je l'ai fait, là les trois sont sortis par là. Ça c'est ça que le mec il s'est fait tuer. Ça derrière peut-être, non? Non. Ça. Il m'en manque un. Il manque juste un truc. Ah, attends.
dit c'était là-haut. Attends. J'avais une question, mais c'est peut-être un peu bête. Vas-y, pose, y'a pas de problème. What? Ok. Salut. Je n'envie pas sa mort. Un instant, il a quelque chose dans la main. Ce n'est pas le sceau de Trigre? Non, il a plutôt l'air romain. Il devait se trouver sur la lettre qu'il a ouverte. Il a dû paraître important à ce garde pour qu'il le tienne jusque dans la mort. C'est peut-être pour ça qu'on l'a tué. J'ai une idée assez claire de ce qui s'est passé ici. Trigre a été tué sur son siège, probablement pendant qu'il lisait cette lettre. Un de ses gardes s'est emparé du sceau et a tenté de s'enfuir. Il n'a pas réussi. Un autre tueur l'a trouvé avant. Il est mort au bout d'une corde, soulevé par le plus imposant. Un troisième assaillant l'a pris de ses yeux, avant de couper la tête de Trigre. Symbolique peut-être. Un chef sans tête. Salut Pierre, tu vas bien? Les tueurs ont frappé sans peur. J'ai dépassé les 100 heures de jeu sur Val. Ah! Leurs empreintes. Moi je l'ai encore à 50 Ils heures. Ils sont repartis ensemble, à 3, en direction de la cour. La lettre parle de 3 hérétiques, mais ne mentionne que leur surnom. Pourquoi tu ne fais pas, un compte Instagram pour partager en plus, se présente comme un pauvre pour annoncer. Pauvre simple soldat. 3 meurtriers, comme tu le disais. Par les bourses de Baldur, ça peut être n'importe qui à London. À qui le truc que j'utilise en fait, il fait pas. Un risque. Il fait pas comment dire Instagram. Je l'ai Instagram. Hein. J'ai un compte Instagram. Comme un belliqueux envahisseur danois. Mais il y en a beaucoup à London. La censure vient du Wessex. Je peux pas streamer sur. Et enfin le Instagram. Un capitaine franc. C'est moins courant, mais ça ne me dit rien. Quel est ce symbole là? Tu es en couple avec quelqu'un dans le jeu? Bah en fait les personnes que je rencontre dans le jeu à chaque fois voilà. Mon personnage, il aime bien tous les personnages, tu vois ce que je veux dire. Il s'entend bien. Ce temple mithraïque, c'est une église? Une église? Par Dieu, non. Mithra est une invention païenne, un prétendu dieu adoré par les soldats qui ont bâti cette ville. Cette ville n'est qu'un ramassis de lâches. Si nous ne venons pas à bout de ce complot haineux, nous serons peut-être les prochains. Je te l'ai dit, cette ville ne connaît que le sang. Je peux dire ce même, mais pour dire quand tu... Ah ouais, d'accord, ouais. Je ne peux le laisser comme ça. Il faut que je... On va demander à l'église de s'en charger. Non. Non, c'est à moi de le faire. Je dois le préparer pour son jugement. Je comprends. Mais sors prendre l'air de temps en temps. Ça pue ici. On y va, mon gars. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Talia. Mais oui, j'ai un compte, mais je l'utilise. J'ai dû avoir quoi, 2 photos dessus, à tout casser, sur mon Instagram. J'ai jamais compris pourquoi les manettes se déconnectent alors qu'il y a de la batterie. J'ai jamais compris. Manette Xbox là. Et je sais qu'ils ont un petit bug avec ça. Mais faudrait qu'ils voient ça parce que c'est un peu chiant. T'es en pleine partie, blam! Manette déconnectée. Mon perso, un homme, est en couple avec Ranvi, la femme de mon frère. Après, j'ai eu l'avance d'homme. Ah non, moi, c'est quasiment que des... Ouais, il y a eu pas mal de personnages filles et un personnage mec. Il n'y a pas longtemps, en plus. Et là, mon personnage, il est en
couple avec le personnage qui est dans notre base en fait. Là, tu sais là, celle qui regarde les cartes. En fait, elle est avec. Et, ah, mais pourquoi elle se décale? Je sais pas du tout pourquoi. Je sais. Non, c'est. Il l'avait dit au début de l'année là. Il y avait un problème avec les déconnexions des manettes. Je sais pas pourquoi. Là, je peux la retirer. Ça veut dire manette reconnectée. Et normalement, ça fonctionne si j'appuie sur un bouton. Tac. Et pourtant, c'est bizarre. Hein, la fille, oui, c'est ça. Là, la manette elle est déconnectée. Et là, je la rebranche. Et pourtant, je l'ai laissé charger. Enfin, je regarde. Peut-être que c'est la batterie, parce qu'en fait, la batterie c'est celle de mon ancienne manette de la Xbox One X. Bon alors, qu'est-ce que j'ai à venir chercher? Ah, il y a plein de trucs là-dedans, là. Je vais peut-être faire ma mission d'abord. Hein. Il y a beaucoup de trucs, quand même. Si les magistrats changent d'avis, je devrais les tuer et placer un pantin sur le trône de Lunden. Mais Stowe paraît intègre. Pour l'instant, je lui fais confiance. Trouver l'entrée. Pour un tas de ruines, ce temple de Mitra est bien gardé. Reste à en trouver l'entrée. Une clé là. Voir si je peux prendre la clé. Y'a moyen de prendre la clé là? Et deux clés? Non. Il me voit, il me tue. Hein. Ouais. C'est pas moi du tout. Non, c'est pas moi, je te jure que c'est pas moi. T'es tombé à l'eau, toi. Tu vas mourir. Clé encore. Pas la même. L'autre côté doit être barricadé. L'autre côté doit être barricadé. Je me
côté, il y a un coffre. Narc. T'as testé, Pierre, le jeu gratuit sur, sur PS5, là, le jeu de voiture. J'ai pas accroché. J'ai pas accroché au jeu. Heureusement qu'il est gratuit. J'aurais été avec, sinon. Je sais pas s'il est parti, Pierre. Il est peut-être parti. Il était sur Facebook, hein. Donc, peut-être pour ça, il est parti. Alors, faut que je trouve la porte. Pierre nous a quittés. Il y a du monde là. Tire dessus là. Viens mon petit, viens mon petit. Ah mais faudrait que, je pense à ça, mais faut qu'on y joue à Sea of Thieves en fait. Je pensais à ça. Il va où lui? Allô? Il part où là? Il est parti de l'autre côté. Et à trouver les trésors, Talia, t'y arrives alors ?
Là, c'est pas trop dur. Niveau... pour rechercher les trésors, tout ça, avec les énigmes. De toute façon, faut que je le fasse, moi, Sea of Thieves. J'ai pris le Season Pass, alors. Faut que je le fasse. Cela faut la déplacer. Des outils de médecin, de belles factures, comme ceux trouvés à la villa. Et il y a aussi une lettre, parlant du paiement d'un forgeron. Le compas tient les autres sous son emprise. Il a ordonné à la flèche de recruter des archers sur un marché de l'Ouest. Cela mérite une visite. J'aurais que mon rideau. Réglage de rideau. Coincé. Je dois passer de l'autre côté. Encore là, Talia? Encore en stream. Entre le compas et la sangsue. Soigné, étripé. La sangsue est quelqu'un d'étrange, mais le compas ordonne les meurtres. J'ai assez d'éléments pour l'instant. Je dois montrer tout cela à Erke et Asto. Il y aura d'autres bains de sang à Lunden. Sini n'aura de quoi festoyer. Hmph!
Tout ce que je dis, c'est que ça vaut la peine de frapper à quelques portes. Trigg n'a pas été tué parce que tu veux planter quelques arbres et réparer les toits de Lunden. Ce n'est plus un festin pour les corbeaux ici. Eivor, tu as trouvé quelque chose d'utile ? Quelques feuilles de vélin, des messages entre membres d'une société secrète. Elle s'appelle l'Ordre des Anciens. L'Ordre des Anciens ? Cela ne m'évoque rien du tout. Quel est son but exactement ? Ce serait un peu long à expliquer, mais sachez que je suis là pour l'éliminer. À Lunden, il semblerait que le compas soit à sa tête. La flèche et la sangsue en seraient les bras. Des surnoms et des ordres secrets ! Foutaise ! Y a-t-il autre chose comme piste ? La flèche est un Danois qui a vu sa part de combat. Son surnom laisse entendre qu'il est archer. Je suis prêt à parier que c'est lui qui sème la discorde parmi les Danois qui vivent à Lunden. À sa place, je me cacherai parmi les miens, entouré d'autres guerriers. Le compas a donné l'ordre à la flèche de recruter des soldats sur un marché, à l'ouest. Je connais bien cet endroit. La sangsue a besoin de chair. Elle cherche des esclaves, mais je ne sais pas pourquoi. On a trouvé des cadavres près des quais ces derniers temps. Mais pas que des esclaves. Certains disparus, retrouvés à plusieurs endroits, mis en pièces. Mon Dieu, Erke. Le compas est un mystère. Il est souvent mentionné, mais sans plus de précision. Tu as dit que c'était un capitaine franc ? Pour le trouver, il faudrait s'intéresser aux navires qui ont navigué sur la Thémès. Par nature, un capitaine, ça voyage. Il est peut-être loin, et se fait discret. C'est possible, mais lui trancher les mains pourrait le faire glapir. Toi, tu sais comment faire réagir les gens. Nous allons tuer la flèche et la sangsue, et nous attendrons. Laissons ensuite venir le compas jusqu'à nous. Mieux vaudrait agir rapidement. Trouvons la flèche et la sangsue. Leur mort ramènera le capitaine au port. Stowe, je te rejoins au marché de l'Ouest. Compte sur moi. Et moi, je vais aller sur les quais. Il y a quelques cadavres à sortir de la base. Peut-être la sangsue s'est-elle remise au travail. Que Dieu nous garde, mes amis. Allez en son nom et sous sa protection. Alors... Donc, qu'est-ce qu'il y a comme comme trésor à récupérer par ici? J'ai des missions à faire en tout cas. Un petit tour en mission là. Mais je peux pas la prendre. What? Attends. Je serai de retour demain au coucher du soleil. Tu peux. C'était demande. Faut que j'attende. Attends. Attends qu'il se repose ça. J'y arrive. En train de chercher un mec là.
Enfin, je cherche un mec. Non, je cherche une clé en fait. On va chercher. Et où la clé ? Je croyais que t'étais parti, Talia. Je me dis, ah bah. Vous avez parti, Talia. Ça doit être bloqué depuis l'autre côté. Encore désolé d'avoir coupé tout à l'heure la box wifi qui a coupé le temps. Ah d'accord, ok. Ah, des fois ça fait bah, la box wifi ça m'arrive de le couper, c'est pour en fait pour ma fille en fait, enfin ouais les deux on va dire, parce que je la coupe à 7h en fait, ma wifi je coupe à 19h comme ça plus de portable, plus de simplement jouer en fait, c'est tout. Je coupe à 19h, je coupe. Je laisse de 13h à 19h, mais à 19h, il coupe le wifi chez moi. Sauf quand il y a des trucs vraiment importants pour mes filles, s'il y a un truc par rapport à l'école. Et sinon, il y a encore internet. Hein. Tout tourne, il y a tout qui tourne en Ethernet à la maison. Ah oui, je serais triste. Bah, c'est une question de pas avoir la tête dans le portable, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est en train de manger, quand on est ensemble, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est les repas en famille, voilà. Ils ont 12 ans. Hein. Ils ont le temps de voir ça plus tard, avoir ça plus souvent. Ils ont le temps. Hein. Bon, il est où l'autre? Tu sais que j'ai une mission dans le coin là? Ah mais attends, il y a une autre clé là-bas. Il y a plein de monde là-dedans. Attends, elle est où l'autre là? Ah, elle est là-bas, c'est ce que je pensais. J'avoue, je suis beaucoup dessus car toutes les personnes que j'apprécie sont très loin et de moi. Et je n'ai pas d'amis dans mon lycée, donc le portable est presque vital pour me rester en salle. Mais par contre, je ne suis plus jamais sur mon tel si je passe des moments en famille. Ah bah oui, bah, c'est ça que je veux y faire un petit peu comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Qu'elle a ses copines, oui, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un moment où faut être en famille, voilà, tu vois. J'ai récupéré la clé, je sais pas si c'est celle qu'il faut ouvrir.
La famille, c'est différent des amis. Bah oui. Mais des fois, ce qui me fait marrer, c'est les soirées entre amis. Des fois. Maintenant, tu vois, j'ai vu, bah, tu sais, moi j'ai 38, hein. Non, 37, pardon. j'ai failli me donner un an de plus, là. Je sais que je vais l'avoir au mois de juin, mais non, 37. Tu sais, entre l'époque où moi, j'étais dans les 21, quand t'étais en soirée avec des potes, t'étais avec, comment dire, 4-5 potes, tu vois. T'étais avec 4-5 potes. On parlait, toi, ça parlait, ta. Mais maintenant, ce que je vois beaucoup plus maintenant dans les soirées, c'est les gens, ils sont à la table et ils ont leur portable, comme ça, ils ont leur portable. Et il n'y a pas un qui dit. Enfin, ça parle, mais ça parle pas comme ça. On devrait parler entre amis. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Ça fait pas du bla 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 bla. Non, c'est. Tac 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 tac. Il regarde son portable. Tac paf 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 paf. Tu vois? C'est plus. Plus comme avant. Limite, ils se parlent entre eux sur le portable, tu vois. Ils sont en face de l'un, mais. Ils sont en face. Mais non, ils se parlent sur le portable. Tu fais ok. D'accord. Et c'est un petit peu dommage. C'était pas la porte L. C'était pas cette porte là. Je croyais que c'était cette porte là, mais non. Bon bah je vais autre part. Hein. On va faire un tour là-dedans, je sais pas ce qu'il y a, mais on va traîner un peu là-dedans. Il y a pas mal de gens. Je sais pas ce qu'il y a à y faire là-dedans. Peut-être de l'or. Ah, il y a un truc en or. On va se taper un peu. Oh, il y a de l'or ici. Ouais, attends, on va y faire un truc à lui. Il va pas comprendre. Il est tombé dans l'eau. Pas de dégâts quoi. Le champ du sang fait. J'ai appelé mon chien là. Mon chien il fait rien du tout. Allez, on va l'attaquer. Voilà. Ouais, c'est un loup. J'ai dit quoi? Ouais, non, c'est un loup, hein. Il y a un chien. Aïe. Le mec, c'est pareil. Le loup et le chien. Ouais, je l'ai recruté, mon petit loup, là, tu vois. Un petit loup que j'ai recruté. Hmm.
Et là, c'est un chat. C'est le mec qui a pas compris. Là, c'est un chat, là. Là, ce qu'il y a là, là. Un chat, là. Les chiens, c'est moins cool que les loups. Bah, quand ils sont bien... Quand les chiens sont bien dressés, sont gentils les chiens. Ok, il est beau le chaton, ouais. Mais j'aimerais bien ouvrir la porte quand même. J'aimerais bien ouvrir, je sais pas, il y a un truc à ouvrir là. Mais par où passer? C'est de savoir. Faut que j'arrive à voir par où on passe. Peut-être en haut, attends. Est-ce qu'il faut casser en haut ou pas? Je vais regarder vite fait. Ah, attends. Là, il y a un truc à casser. Faut que je passe là. Bah, faut juste que je passe là-bas en fait. Ok. D'accord. Allez, descends. Hop, descends. Descends. Hop, voilà. Ah, c'est mignon les chiens. C'est des bêtes à chagrin, mais c'est mignon. Il est où le... Voilà. Je crois qu'il a le chaton. Aïe. J'aime pas faire... Ça va, c'est un jeu. Mais j'aime pas faire du mal sur les animaux. Même dans les jeux, des fois. J'aime pas dans... Tu vois, Red Dead Redemption. Dans Red Dead Redemption, bah, j'avais un peu de mal. Hein. J'avais un petit peu de mal, quand même. Quand on fait les dépecer, j'avais un petit peu de mal. Au bout d'un moment, je m'y suis fait, mais pouf! Il était tellement. Il est tellement beau, hein! Que. Waouh! Des fois. T'entends les bestioles, t'entends les animaux chouiner, enfin, pas ils chouinent, mais ils ont mal, quoi, tu vois. Tu les entends, tu fais. On peut pas éviter de les tuer! On peut pas, y a pas moyen. Ça me brise le cœur de. Ouais. Moi, si je peux. Dans un jeu, moi, ce que j'adore, c'est quand j'en ai un avec moi. Tu sais, un chien, un truc comme ça, un animal. Ça, j'aime bien, je kiffe. Tu vois, il y avait le Metal Gear. Dans le Metal Gear, t'avais un chien avec toi. Et ça, je kiffais, mais j'adorais. Oh, j'adorais trop. Après, j'ai eu la snipeuse. La snipeuse, j'aimais bien aussi la snipeuse dans Metal Gear. J'ai toujours pas fini ce jeu-là. Faudra que je le finisse un jour. Alors, attends, y'a quoi là? Là-bas, passer par où? Il est où? Il part derrière. Je trouve des fois, faut aller sous l'eau. Ah non, c'est toxique. L'eau est toxique. On va éviter. Serpent. Flo,
Alors, journal, anneau, médaillon, coupe, diadème, et le 7, c'est quoi le 7? Ça va être quoi? Allez, goal, finir en stream. Ouais, bah... Faudra que je le fasse un de ces quatre, hein. J'essaie déjà de finir cela. J'essaie déjà de les finir. Mais ouais, non, faudra que j'essaie de le finir. Mais le problème, c'est que ça fait longtemps que j'y ai pas rejoué. Je te jure que quand je vais devoir le reprendre, je vais être un petit peu perdu, je pense. Hein. Je vais plus trop savoir. Normalement, je reçois un jeu cette semaine. C'est t'es dans la peau d'un mec qui peut se transformer en loup-garou. Et t'as un mec qui se transforme en loup-garou. J'ai vu la note sur jeuxvideo.com. J'ai fait ah, est-ce qu'il faut vraiment que je l'installe le jeu? Parce que c'est une boîte qui me l'envoie le jeu hein, normalement. Enfin normalement c'est le jeu, c'est la boîte qui me l'envoie le jeu. Et j'ai vu, je me suis dit oh ça doit être pas mal. Ah, j'ai vu la note, j'ai fait ah. Bah je sais pas en fait. Est-ce que je l'installe? Est-ce que... Je vais voir, je vais me faire un avis sur le jeu en stream. Hein. Je vais streamer dessus. Et si vous me voyez qu'une fois dessus, c'est mort. j'aime pas dire, allez, trop bien, tu peux l'acheter. Non, non, c'est pas mon délire ça. C'est pas trop mon délire. Tu en as du temps pour finir... Ouais. Attends quoi, mais l'idée du jeu doit être trop... bah ouais, mais apparemment ils ont pas... ils ont pas... comment dire... Ils ont pas été à fond dans le jeu. Et c'est pas qu'il a été fait un petit peu à l'arrache, mais il y a certaines... En fait, il peut se transformer... Apparemment, il peut se transformer en loup-garou, mais avant, il peut se transformer en une sorte de loup. Et cette transformation là, elle est pas beaucoup utilisée en fait, tu vois. Et il y a beaucoup de petits trucs comme ça dans le jeu qui fait que ça n'a pas été mieux adapté. Ouais, ils ont voulu tellement le sortir vite le jeu. Du coup, faut que j'aille où, moi? Attends. J'ai des trucs à faire ici, dans son... Mais je vais pas faire que de récupérer des trucs, là, des... Tour de flèche. Hein, c'est quoi, ça? Afin de... Ah ouais! Ah non, oui, oui, bah oui. Bah oui, faut que je fasse ça. Let's go! Tu joueras toujours dans... Oui. Tout à fait. Tout à fait. Peut-être pas en stream. Eivor, peut-être pas en stream. Sur le marché de l'Ouest. Mais la présence d'un homme en armes peut rendre nerveux, oui, dans un tel endroit. Pourquoi ne mets-tu pas une cape? Me cacher le visage? Sûrement pas. Ça fait du bien aux gens de voir la loi au travail. Une fois la flèche retrouvée, cet ordre devra comprendre que la sangsue et le compas seront les prochains. As-tu des nouvelles de la flèche et des recrues? Des murmures seulement. Quelqu'un distribue une pièce. Elle permet de prendre part à un concours organisé par... Super, les... Super, je t'enverrai mon jeu. Tu me diras, attendez, c'est quoi, quel jeu? Je pas encore remarqué. Sera quoi ton jeu? Je vais aller jeter un œil. Toi, reste ici. Eivor, qu'est-ce que tu penses, Derk? Tu sais, ça fait... Tu le soupçonnes? Tu le soupçonnes de quelque chose? Ça fait... Ouais, ça fait depuis 2013 que je stream. Et c'est Erk qui a trouvé... Je me dis... Corps.
J'ai confiance. Pour l'instant, j'aime bien streamer, parler avec les gens. Des gens que je... Bah voilà, pour faire découvrir des jeux. Mais peut-être qu'un jour, je me dirais, bon bah allez, on tourne la page sur le stream et puis... Depuis si longtemps au service de la justice de Dieu. Et puis voilà. Mais pour l'instant, je suis pas encore à cette... je suis pas encore arrivé à là, on va dire. Et l'amitié que tu lui portes. Faut vraiment que je sois déçu de Twitch. Vraiment que je sois déçu de quelque chose sur Twitch qui fait que faut que j'arrête. Pour l'instant, non. Pour l'instant. Tu fais bien de parler. Cela éclaircit l'esprit et ôte un poids sur la poitrine. Certainement, oui. Je suis en train de développer un jeu de A à Z avec mes propres doubleurs, ma musique, mes dessins. D'accord. Salut, faut que je parle ? Si ? Ah si. Ah, faut que je chasse ça. Une image du Colisée de Lunden est gravée sur cette pièce. Je voudrais que tu sois pas déçu pour la simple raison que c'est trop. Non, j'étais en train de lire. On va pas se taper. J'étais en train de lire là. Lire. Tranquille. Attends. Essaye de me poser, attends. Regarde ce que t'as mis. Je voudrais que tu sois pas déçu pour la simple raison que c'est trop triste. On peut arrêter, mais il faut partir. Après. Ouais. Je me dirais, bah. Voilà. J'ai fait 10 ans. J'ai fait 10 ans de stream. Bah, c'est. Peut-être qu'au bout des 10 ans, parce que là, j'ai commencé en 2000. Tu vois, 2000. Ouais, j'ai commencé vraiment en 2000. Fin 2013, début 2014. Ouais, il me reste encore un petit peu de temps avant de me dire allez, on va arrêter. GG pour ton level up. Un truc. Je fais un truc de seconde. Ouais.
parler avec. Tu es là pourquoi ? Tirer ou regarder ? Vous cherchez de bons tireurs à l'arc. Tu viens d'en trouver une. C'est un concours privé, sur invitation. Tes hommes distribuent ces pièces comme si elles leur brûlaient les mains. Est-ce que cela suffira ? C'est assez pour qu'on parle. Mais avant d'aller plus loin, je veux voir ce que tu sais faire avec cet arc. Tu veux t'échauffer un peu avant ? Oui, je veux bien m'entraîner. On va s'entraîner. Profession. Vas-y alors, tout est en place. Qu'est-ce que tu as fait ? Fais F5 sur ton portable ou sur ton PC. Et tu mets un message sur le chat. F5, réinitialiser, enfin rafraîchir la page. T'as un bouton rafraîchir la page de mon chat. C'est quoi le diamant? C'est le logo du VIP en fait, tout simplement. Les personnes que j'apprécie ont un petit diamant VIP. Voilà. Merde. Ah, il avait peut-être à gauche aussi. J'ai peut-être raté. Bon, alors ? On peut dire que tu as un œil d'aigle. Merci, Talia. J'ai assez d'entraînement comme ça. Commençons. Bon, si tu te sens prête, allons-y. C'est un concours très simple. Il faut toucher toutes les cibles tant que le sable coule. Voilà une nouvelle concurrente, une femme du Nord venue de la Mercy sauvage. Et notre champion actuel, Saer. Très bien, à vos marques. Flèches en place, flèche en cocher, tirez. Longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un viser aussi bien. Ah, tu sais tirer. Tu viens de gagner ta place auprès de la flèche. Et il aura hâte de te rencontrer. Va jusqu'à l'arche impériale parler à notre homme, Oussa. Dis-lui, puisse le père de la sagesse nous guider. Et il saura que c'est toi. C'est quoi déjà qu'elle a dit ? La flèche fait un discours à l'arche impériale. Dépêche-toi d'y aller. Je sais plus ce qu'elle a dit. J'espère qu'il faudra pas faire un choix parce que je sais plus ce qu'il faudra lui dire. T'es doué à l'arc spinette. Bah après c'est pas compliqué. Tu pourrais retrouver d'après. J'espère. Je pourrais retrouver d'après. Ah ouais, d'accord. J'ai mal lu. C'est toi ou ça ? Oui. Et qu'il demande ? Puisse le père de la sagesse nous guider. Elle le dit elle-même. Puisse la mère de la connaissance. C'est bon. Renforcer. Installe-toi là-bas. Fais belle figure devant la flèche et ne bouge pas.
mes amis, mes frères, bonnes gens de Lunden. Notre semaine a été dure. De lâches envahisseurs sont entrés dans la demeure du gouverneur. Ne bouge pas, attention. Ouais. Et ils lui ont pris la vie. Oh, les yeux qu'il fait. Mon ami, mon chef, il a été tué comme un chien par des étrangers, par l'ennemi. Peut-on compter sur ces magistrats? Ces demeurés n'ont pas empêché sa mort. Ils nous croient en sûreté. Mais le gouverneur savait, lui. Il m'a fait part de ses idées en vue de protéger Lunden. Ces ivrognes de Danois de Northumbrie souillent le nord. Elfred et ses troupes du Wessex se regroupent au sud. À ce sujet, Trigre m'a dit: Avgos, ce qu'il nous faut, ce sont des frontières fortes et de bons soldats. J'honore aujourd'hui son souhait. Je sais pas s'il faut. Je sais pas s'il faut que je le tue. Tu m'as dit en plus juste avant, tu m'as dit ne bouge pas. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Ça me dérange pas là de paf d'aller le tuer d'un coup là. Et jusqu'à ce que toutes ces accusations soient éclaircies, je prendrai la place de Trigre à la tête de notre ville. Je ne prétends pas le remplacer. Trigre était une montagne d'acier. Mais je serai votre flèche. Il y a écrit en haut, ouais, trouver et assassiner la flèche. Mais là, j'ai même pas trouvé assassiné. Là, il est devant moi, donc c'est trouvé en fait. Ah non, ça. Est-ce que c'est lui la flèche au moins? Attends. Si c'est lui, j'y saute direct. Si c'est lui la flèche, j'y saute direct. Assassiner l'enclume. Ah, lui, c'est l'enclume. On peut le trouver. C'est l'enclume. C'est pas la flèche. Je ne sers que Lunden. Et vous tous, Lunden est un endroit prospère. Et nous devons étendre cette prospérité à tous les royaumes de Bretagne. À bas les faux rois et leurs mensonges. Que Lunden retrouve sa force et ses coutumes d'autrefois. Que règne Lunden et la Bretagne sur le monde. Ah ouais, c'est la flèche. En fait, au garde. Oh, merde, là c'est l'ordre, tu vois. Et Patrick, assassiner l'enclume. En fait, il y a. Je sais pas où il est, le. Attends. Ah non, attends. C'est lequel, lui? Ah ouais, non, c'est pas lui en fait. Lui, c'est l'enclume. Ah, mais il est là en fait. C'est la flèche. C'est lui qui est en train de faire un. Ok, bon bah ça a plus de que preuve. C'est bon. Encocher. Ce n'est pas chose facile de faire de ces rats des villes de nobles guerriers. En place! Tu n'as rien fait de tel. Tu les as simplement pris au piège de leur peur. Tirez sur la corde! Les premiers, décochez! Non, je leur ai appris l'ordre. Je leur ai donné un but. Pour leur montrer qui est leur ennemi commun. À vos cordes! Second, décochez! J'étais la flèche de leur rage. Sans aucun ennemi à abattre, c'est nous-mêmes que nous dévorons. Il dit vrai, un homme sans ennemi se consume. Cherche à loisir toutes les excuses. Tu es un régicide et un lâche. Puissant cheval, tu en aurais fait autant à ma place. Visez et tirez!
Mort. Ouais, c'est la flèche devant moi. Il était plus rapide que moi. Il était plus rapide. Ouch. Bim, dans le mur. C'est bon, les gars. Il est pas loin. Qui c'est, faut que j'aille voir. Je retourne là-bas. Normalement, par rapport au diamant à côté de ton pseudo, le VIP, normalement je crois que t'as moins de risques par rapport au logo, je crois. Tu sais, t'aimais bien merde des petits logos là, tout ça là. Je crois que t'as moins de risques d'avoir un petit souci de ban. Et normalement les gens VIP, je crois, qui peuvent mettre un lien. Tu sais, si t'as envie de mettre un lien sur le chat, normalement je crois que tu peux. Normalement. Parler. Bonjour et bienvenue. Bienvenue. Hello. Voir la boutique. Ah, entraînement. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, des nouveaux trucs. Non. Attends, ah si, non. Attends. Effectuer. Non, j'ai appris ça. Ouais, j'ai appris. J'ai tout appris. Rien d'autre? Fais voir ta boutique. Ta boutique. Ouais, non, il n'y a rien qui sera aussi bien que mon cheval. Non. On va faire mon cheval. Ce sera tout. Il y en a un que je voulais dans les packs, ce qui était pas il était pas encore sorti. Hein. Mais dans le magasin, ça c'est mon pack ça, c'est mon pack. Il y a un pack que j'aime bien. Ah, mais on peut pas voir. Parce que il doit avoir un problème avec le. C'est souvent ça. La fenêtre à côté. Est-ce que je peux voir? Ah, il y a un. Ils sont chiants avec. Avec Ubi là. Attends, je vais sauvegarder. Je voulais te le faire voir le truc. C'est quoi ton micro? Le AKG 120 USB. AKG, tu peux regarder sur Google, c'est le AKG 120 USB. Il date, hein. Il date un peu. Hein. Mais il marche. Il marche, hein. Y a pas de problème, le son est très bien. Je suis pas déçu. Hein. Je l'ai depuis, ouais, de 2015 quasiment. 15, 14 peut-être. Plus dans les 14, je crois que c'est 2014. Je l'ai depuis 2014, ouais, ce micro-là. Et ça, c'est l'antipop, en fait, ici, là. Ça, c'est un antipop. C'est quand tu fais des P. Tu vois, quand tu fais les P ou les P, et ben, en fait, il y a moins de risques que ça fasse quelque chose de pas très bon au micro, en fait. Quand tu dis le mot P ou le... oui, ça va. Je pense pas acheter un micro. J'en ai déjà deux. Bah, dis-toi que j'en ai deux, moi. J'ai celui-là et j'en ai un autre. C'est le Yeti Black Clover ou je sais plus quoi. C'est Black Clover. C'est un Yeti tout noir. Et à l'origine il était à 180 et je l'avais eu à 90€. Et je l'ai pas encore utilisé. Mais il est gros. Hein. Il est quand même gros hein, le micro hein, je trouve. Mais je l'ai pas encore utilisé. Il est là-bas. Il est dans mon armoire. Mais celui-là j'aime bien. Ce petit micro-là. Pourquoi? Parce que j'aime bien celui-là.
J'aime bien, tant que ça marche, je garde. J'ai même des fois, j'ai certains trucs qui ne marchent plus et je les garde. Ça m'arrive de les garder encore un an ou même s'ils ne marchent plus. Je suis assez. J'aime bien garder les choses en fait. Faut vraiment que le truc, je veux plus l'utiliser. Il y a des trucs que je veux plus. C'est sur un coup. Si je dois dégager quelque chose, il faut vraiment que le truc, j'en veux vraiment plus. J'aime bien garder les choses. Toi, il n'y a pas longtemps, j'ai revendu parce que je sais que ma fille avait une Switch. Je sais que ma fille a une Switch, donc j'allais pas. J'avais la DS XL. Elle est grosse, hein. C'est DS 3D XL. J'avais celle-là, je l'ai revendue parce que voilà, j'avais rien à faire avec. C'était un peu de la collection en fait. Mais j'ai toujours ma Wii U, j'ai toujours ma GameCube, j'ai toujours ma GameCube, j'ai toujours ma Wii U, j'ai toujours les jeux avec. Mais je pourrais pas les vendre. Je sais pas pourquoi. Je préfère les avoir dans mon tiroir, pas dans mon armoire. Là. Ah oui, mais elle était. Ah ouais, mais carrément. J'aimais trop bien parce que t'avais l'écran était trop beau. La GameCube, ouais. J'avais un petit peu du mal, c'est avec la manette. Ah, il y a de la musique là. J'aime bien quand il y a de la musique. Dis-moi, est-ce que tu l'avais regardé le jeu The Witcher? Est-ce que il y avait la série, mais le jeu, est-ce que tu l'as vu ce jeu-là? Il est magnifique. Il est magnifique. Si tu le connais pas, de toute façon un jour, il faudra que je le refasse ce jeu-là. Mais si tu le connais pas, bah, il faudra que je stream en même temps que tu l'as jamais vu, quoi. Je l'ai vu en gameplay. Ah, tu l'as vu en gameplay, d'accord, ok. Mais il est magnifique. Il est juste magnifique, ce jeu. Il est trop beau. Tu n'as rien. Que Dieu soit loué. Ce ne sont pas des enfants avec des arcs de cérémonie qui auront raison de moi. La flèche était si jeune. Un homme qui pensait comme un enfant, du nom d'Avgos. Avgos ? Ce n'est pas possible. Je peux te rapporter sa tête sur une pique, si tu veux vérifier. Non. Pourquoi mentirais-tu ? Mais mon vieil ami Avgos n'avait aucune raison de tuer. Il voyait Lunden comme un chaudron de rage. Parfait pour endurcir ses jeunes recrues. Peut-être ai-je ignoré en lui ce que je ne voulais voir. Ambition, cupidité, colère. Une telle haine est facile à voir. Je t'ai mis en ami au fait, hein. Tu m'as fait une demande la dernière fois, Talia. Elle est un brouillard diffus. Le pouvoir. Les hommes le convoitent et s'y accrochent à n'importe quel prix. Il est vrai. Et quel amer festin, lorsque la gloire a le goût du sang des parents et amis. Maintenant qu'Avgos est mort, je vais m'occuper de la censure. Erke devrait être sur les quais. À t'attendre. Si le compas se montre, nous te préviendrons. Alors j'attendrai la bonne nouvelle à l'église Saint-Paul. Sois prudente, mon gars. Ah oui, mais j'ai pas reçu de nouvelles. quand c'est une demande d'amis, je crois pas que tu reçois une notification. Une notification, c'est quand tu follow la personne et que tu mets t'actives la cloche à côté. T'as une cloche et faut que t'actives. T'as un petit logo à côté et c'est comme si la cloche a marché en fait. Et tu reçois la notification du stream. Voilà. D'ailleurs, je vais bientôt me lancer sur la plateforme aussi. Ah, bien. Où est l'activeur ? Merci. Alors, faut que j'aille là-bas.
Ah oui, attends, j'ai mes compétences. Ça fait quoi ça? Oh, wow! Retour à l'envoyeur. Attraper et renvoyer tout projectile ou presque en appuyant sur juste avant de qu'il ne vous touche. D'accord. Ouais, je vais essayer. Je vais essayer ça. Voir. Voilà. 136 en puissance. Trop classe. Ah, mais où que je suis là? Voilà. Pourquoi tu te mets pas sur sur Twitter au fait? Juste avoir un compte pour en faire avoir une comment dire une info que je lance un stream. Juste il y a un pote, il fait juste ça, il s'est juste créé un compte, il suit pas d'autres personnes, il me suit que moi en fait. Après tu peux suivre d'autres personnes, hein, ça me dérange pas, hein. Mais non, comme ça en fait il lance son Twitter et il voit si je lance un stream dessus, parce que cette plateforme est remplie de haine. Bah après c'est pas t'as pas spécialement d'avoir tant que tu si tu voulais juste une personne, après t'es pas obligé de parler avec d'autres personnes tant que tu en fait faut pas rentrer dans un dialogue, faut pas partir dans un truc dans les annonces qui sont top 1, top 2, top 3, tu sais, les annonces, voilà, il y a eu un truc, une explosion, un truc comme ça. T'as pas besoin de rentrer là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Tu suis juste la personne que tu follow et tu reçois juste des... Moi, mes messages sur Twitter, ils sont mis automatiquement quand je lance un stream sur Twitter. Ils sont mis automatiquement. Je crois que tu peux regarder sur ma chaîne, juste en dessous. Tu peux regarder en dessous et tu vas voir, il y a les infos Twitter. Et je crois que tu vois que mes lancements de live, en fait. Bon, après des fois je mets une photo d'un truc style la montre que j'ai eue hier ou les trucs comme ça, tu vois, les consoles que j'ai eues au mois de novembre. Est-ce là l'œuvre de la censure? Oui, de nouveaux corps chaque jour. Ouais, je sais, mais attends, les gens ont peur, combien de corps? Combien de cadavres cela fait-il? On en a trouvé une vingtaine, clairement victimes de la censure. Comment c'est... Et que... Mais ce que je veux dire, c'est que Twitter ne font rien vides, contre cette haine. Les gardes de Trigre. Ouais, il y a bah ouais. Des centaines d'hommes qui passent ici chaque jour. Personne n'a rien vu. Nous sommes sur la berge, le lieu des pires activités de la ville. Stowe a vu la même chose. Il n'y a pas que sur les quais. Comment va ce cœur de moineau? Perso, des fois, je m'inquiète pour lui. Moi, je des fois, j'arrive, à... je pars sur des sur Twitter. Il y a mon côté gamer, mais il y a un autre, j'ai un autre côté, c'est par rapport aux animaux. Dis-moi que ce n'est pas elle. Ce n'est pas ta fille, ma bonne. C'est par rapport aux animaux et c'est les chasseurs. Oh merci Freya. Et quand il y a un truc sur les chasseurs, quand je leur réponds ou quand je suis beaucoup moins, j'essaye d'être resté calme pour leur répondre. J'essaye de rester calme. Et c'est difficile. Surtout quand c'est les animaux. Avec les cerfs et tout. Elle travaille pour un forgeron. Pourrais-tu me dire lequel? Elle ne m'a jamais dit son nom, ni où il travaille. Elle ne me confie jamais rien, cette tête de mule. Cela fait deux jours que je ne l'ai pas vue. Et je crains le pire. À Lunden, le pire est toujours à craindre.
Que faisait-elle comme travail? Des courses, ce genre de choses. Elle livrait des objets, en touchait le prix et retournait chez son forgeron. Tu connais le nom de cet homme? Non, mais j'aimerais bien. Je lui arracherais les oreilles et les noix. Te souviens-tu d'autre chose? Une voisine m'a dit un jour qu'elle avait vu Regna traîner un moment sous le pont de Lunden. Cela m'a retourné les sangs. C'est un bon début. Merci beaucoup, Guida. Un forgeron, une enfant disparue. C'est une piste assez solide. Le pont de Lunden de nuit. Cela mérite un coup d'œil. Bien. Moi, je vais rester ici, pour assurer le calme. Et Eivor, sur ces quais, reste bien sur tes gardes. Je ne baisse la garde pour personne. En fait, moi, je parle surtout de ceux qui... Tu sais, là, le... Ceux qui sont sur leur cheval. Tu sais, ils ont leur trompette, là. Voilà, tu vois, ils sont avec... Et puis, ils sont... avec leurs chiens, ils sont 60... Il y a 60 chiens pour aller affaiblir un cerf dans la mer, dans la rivière. Et ils le noient. Ils prennent les cornes du cerf et ils le font se noyer, en fait, tu vois. Et ça... heureusement que je suis pas là-bas, hein. Parce que je sais pas si j'arriverai, ils seraient obligés de me tirer dessus. C'est un truc, ça me foutrait hors de moi. Je pourrais pas, ou je sais pas ce que je ferai avec eux, mais. Il y a ceux aussi, les chasseurs. Les braconniers, ceux qui abattent les lions, les éléphants, ce genre de personnes, tu vois. Inspecte les alentours, Sinine. Mibarno, salut Mibarno. Voilà. Ouais. Bien celui-là. On peut l'acheter sur le tour de noir. Il est bien comme jeu. Oui. Ah oui. Moi j'aime bien. Il est sympa. Si t'aimes bien ce côté un peu viking. Il est plus froid. Enfin. L'ambiance est un peu plus froid que les anciens, tu vois. C'est qui Talia? Bah, c'est une viveuse. C'est une viveuse? Pourquoi, Mibarno? Elle est super gentille, Talia. Ouais, pour qu'on puisse manger la viande qui n'a pas subi. Oui, transformation chimique, bah oui, c'est clair. Mon père, c'est plus dans les fruits, tout ça. Mon père, il préfère acheter faire des pommes chez lui sans les produits qu'il y a dans les magasins, tu vois. Ils mettent à peu près 5-6 produits sur les pommes de ce que tu manges au Leclerc, en fait, tu vois, ou Intermarché. Il y a quasiment dessus 7 produits. Ça craint quand même. Ok, je pensais qu'elle tournait. Non, ça peut arriver qu'il y ait une personne qui chasse et il y a une personne qui chasse juste comme ça pour pas il va pas tuer non plus 50 lapins ou un truc comme ça, je pense pas, hein, Talien, tu vas pas ton père il va pas faire
Il va chasser 50 lapins, 32 sangliers. Je pense pas qu'il fasse ça, quoi. Bon, c'est comme si tu parles de faire ton potager. Ouais, voilà. Ouais. Après, c'est bête à dire, mais la... c'est vrai que contre la chasse, je suis pas très fan. Tu vois, la chasse, je suis pas fan de la chasse. Mais c'est vrai qu'il y a... J'avais regardé un peu un documentaire comme ça. Hein. Mais ils avaient dit, on va dire que la chasse, ils évitent d'avoir trop de population, tu vois ce que je veux dire, d'animaux qui peuvent comment dire pas arriver sur la route, mais t'en as certains. Quand je rentre du taf le matin sur le rond-point, il y a à peu près 5-6 lapins, tu vois. Des fois, moi, j'ai pas envie de les écraser, tu vois. Et c'est des trucs comme ça qui peuvent faire des accidents. Moi, j'ai envie de les éviter, tu vois, les lapins. Et si je peux les éviter, j'évite. Mais par contre, toi, quand t'as une voiture qui est derrière toi ou qui arrive à côté, à gauche, le truc, c'est que c'est soit c'est le lapin, soit c'est toi. Donc, voilà, tu si t'as la possibilité d'éviter de l'écraser, c'est cool, quoi. Moi, elle me dérange pas à une condition. Suivant le chasseur, c'est moi, douloureux que. Ouais, bah oui, c'est sûr. C'est sûr que quand tu les vois dans les abattoirs, tu fais waouh, mais je vais le brûler l'abattoir. C'est vrai, des fois, t'as envie de brûler l'abattoir. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Moi je vais à l'abattoir et je prends ça, tu vois. Ouais, brûler, on veut l'abattoir, et... je serais un petit peu comme ça, voilà, simplement. Après, t'as des gens qui travaillent dans l'abattoir. Le problème, c'est que c'est leur taf. Je pourrais pas bosser là-dedans. C'est les gens sont tellement habitués de tuer les animaux dans l'abattoir. Je sais même pas s'ils savent qu'ils butent un animal, quoi. Tu vois, c'est chaud. Bah ouais, je m'en doute, c'est horrible. Oui, t'es où l'autre? Montre-moi. Ah, il est là. Ah, il est dans le coin. Je commence à être sombre, moi. Je commence à être sombre avec... J'ai fermé mon volet blanc, mais... Je suis à moitié sombre. Il fait quelle heure? 4 heures? J'aime la lumière. Je commençais à plus me voir dans mon fond vert. Je vais le suivre et voir où cela me mène. Ce crétin ne peut pas aller plus vite. Is with only chair on seat?
prudence. Pas qu'on l'a perdu. On a parlé, je crois qu'il est. Il est parti. Est-ce que c'est là ou. Non, il prend son temps. Je vais noter sur mon papier, mais je sais même pas s'il était follow, dit Barno. Je sais même pas s'il était follow en fait. On y a fait peur. Je vais noter sur mon papier. On va éviter de parler de chasse. Merde. Merde. Attendez les gars. On m'a coupé dans ma parole quand même. C'est bon, on a fini là. Ah non. Oups, je l'ai fait fuir, c'est pas grave. Cette nuit j'ai fait un insomnie, alors je suis passé donner du love à plein de comptes. Bah c'est quand je t'ai vu, bah tu sais la dernière fois il y avait un streamer qui était venu, Wolf, je me souviens de la fin, Wolf, je t'avais vu sur son, j'avais dit bonjour en plus, il jouait à je sais plus quoi, je sais plus à quoi il jouait, peut-être à ce jeu là, je crois qu'il jouait à ce jeu, caca Wolf, moi je dis Wolf, il devait jouer à ce jeu je crois. Ou pas sûr, peut-être.
Mais je t'ai vu, je crois que je t'ai vu dans le chat. Je crois t'avoir vu. C'est bon, tout le monde est mort, plus personne m'attaque. J'ai mes enfants et ma femme qui ont pas tardé à rentrer. Je reçois les messages sur ma montre. c'est possible, c'est un de ceux qui... Je suis précieux. D'accord. D'accord, d'accord. Oh le pauvre, il a dit je vais appeler à la cloche, il est tombé. Pardon. Oh, attends, je vais la casser la cloche là parce que... Voilà. Il est où l'autre? Ah, il doit être par là. Ah non, il peut par là, il est... Par là ? J'aimerais même faire le dernier là, et puis Je vais stopper, je reprendrai ce soir. Peut-être. Parce que j'aime mieux plutôt stream le matin, lundi matin. Un petit lundi matin, tu vois, en streamant, c'est bien, j'aime bien. Les poser. La semaine commence bien. Là, les filles elles vont rentrer. On va faire leur douche. Ah, je dois devenir anonyme. D'accord. Personne ne peut semer. C'est bon. Tu as la bourse que j'attends. Hein? Mais tu es qui, toi? Ok, je serai là demain matin. La question, c'est moi. Je n'ai rien contre toi. Je suis une amie, Oya. C'est ton garçon qui a ton argent. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Je l'ai mis en lieu sûr. Il avait l'impression d'être suivi. Ah, je savais qu'il ne valait rien. Pas comme cette fille. Elle avait les nerfs solides, elle. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Tombé malade, il y a quelques jours. Alors je l'ai envoyé à Sœur Frideswyd, une guérisseuse. Sœur Frideswyd. Que ce soit un os brisé, un nez qui coule, une verrue aux fesses, ou trop de sang de lunaison, elle peut tout arranger. Elle doit avoir besoin de nombreux instruments pour ça. Ah ça oui, et elle les a les instruments. Elle vient me voir avec sa liste et je lui fabrique tout ce dont elle a besoin. Tu lui fabriquais, tu veux dire? Tu vas nourrir les asticots. Hey. Que vois-tu?
ma vieille amie. Parle en tout cas. Oh, il est. Déploie tes ailes. Il est dans le coin. Il doit être dans le coin là. Allez, on va. On va se fâcher un peu, hein. Pas le temps de. J'ai pas le temps de me cacher. Là. C'est là que la sensu mutile s'éproie. Ça doit être là. Ça doit être lui, peut-être. Pas l'air d'être lui. J'ai enlevé la tête. Allons, allons. Tu délires. Allons. Plantez une flèche dans le cours de ce cas. Il faut se remettre sur pied. Je ne veux pas mourir ici. Il me reste plein de choses à dire. Courage, petit. La sœur s'occupera bien de te soigner. C'était elle ? C'est elle. Ah bah nickel. Voilà. Bon bah voilà. Ça tombe bien, en plus fallait que je stoppe. Encore un autre, et c'est tout. J'ai presque terminé. Cela suffit. C'est toi. Pour tous les morts que nous collectons, ma chère sœur, nous sommes égaux. C'est un vrai charnier. Je ne les compte même plus. J'imagine que je me suis laissée emporter par mes recherches, mais sans penser à mal. Les anciens, les arbitres, ils nous ont conçus à partir de morceaux. Si faciles à briser et difficiles à réparer. On doit pouvoir améliorer tout ça. Nous devrions être plus forts, plus rapides, plus futés. J'aurais pu arranger cela, nous rendre meilleurs. Nous sommes faits de sang, d'os et d'esprit, Frideswyd. Et parfaits comme cela.
Tu as de si beaux yeux. Termine. Veux-tu ? Ok. Bon. Bah, je vais stopper là, moi. Je vais stopper là parce que là, ça, je regarde l'heure et ils vont pas, vraiment pas tarder là. Sur ce, je te dis peut-être bah, demain matin, Talia. Ou peut-être ce soir. Je vais voir. On va bien voir. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Et puis, merci d'être venu. Et je te dis à très bientôt. Tchuss.